Unité 4. Les inventions et les créations. Orthographe. Pré, près, près. Page 118 et 119. Mes apprentissages en français. Ce que je sais. Lis la phrase, que remarques-tu? Le groupe de jeunes est prêt à débuter le match sur le terrain installé dans le pré situé près de la forêt. Le son est utilisé plusieurs fois et il s'écrit de différentes façons. J'observe et je découvre. Depuis près de 2 mois, les journalistes se trouvent dans le pré en face de la maison de l'inventeur. Ils essayent de l'interviewer mais celui-ci n'est pas prêt à parler de sa découverte car il ne l'a pas encore brevetée. Il attend un prêt de la banque pour le faire. Je manipule et je réfléchis. 1. Lis le texte à haute voix. Repère des mots qui se prononcent de la même manière. 2. Recopie les mots que tu as repérés. Que remarques-tu? Prêt. Je remarque que ces mots se prononcent de la même façon mais ne s'écrivent pas de la même façon. Trois. Comment sont-ils appelés? Ils sont appelés des homophones. 4. Que désigne le mot pré et quelle est sa nature? Le mot pré désigne un espace de verdure, un champ, et c'est un nom. Cinq. Par quoi peux-tu remplacer pré?
Je peux remplacer près par à côté de. 6. Que désigne près à et près? Prêt à désigne, disponible, et prêt désigne crédit. Je construis la règle. Complète la règle avec les éléments suivants. Prêt, prête, une prairie, homophone. Prêt, prêt et prêt sont des. Ces mots se prononcent de la même manière mais s'écrivent différemment. Le pré est un nom commun qui désigne. Sert à situer un lieu, à côté de, proche de, ou une approximation à peu près. Pré est un adjectif qualificatif qui a pour féminin. Le pré est un nom commun qui désigne une somme d'argent qui a été prêtée. Prêt, prêt et prêt sont des homophones. Ces mots se prononcent de la même manière mais s'écrivent différemment. Le pré est un nom commun qui désigne une prairie. Près de sert à situer un lieu, à côté de, proche de, ou une approximation à peu près. Prêt est un adjectif qualificatif qui a pour féminin prête. Le prêt est un nom commun qui désigne une somme d'argent qui a été prêtée. Je m'entraîne. 1. Écris vrai ou faux. A. Pré. Prêt et prêt sont des synonymes. B. Le mot prêt est un adjectif. C. Le mot prêt désigne un terrain. D. Le mot prêt peut être remplacé par proche d'ou à côté de. Prêt et prêt sont des synonymes. Faux. Le mot prêt est un adjectif. Vrai. Le mot prêt désigne un terrain. Vrai. Le mot prêt peut être remplacé par proche d'ou à côté de. Vrai. Deux. Barre pour chaque phrase l'homophone qui ne convient pas. A. Ils vont au travail à pied, car ils habitent tout, près, près. B. Je suis, près, près. À changer de place et à m'installer, près, près, de la fenêtre qui donne sur la, près, près. C. Les vaches et les moutons broutent de l'herbe dans le, près, près.
Ils vont au travail à pied, car ils habitent tout près. Je suis prêt à changer de place et à m'installer près de la fenêtre qui donne sur le pré. Les vaches et les moutons broutent de l'herbe dans le pré. Je m'évalue. 1. Complète avec pré, prêt ou prêt. A. Nous sommes partis en vacances dans un village d'Agadir. B. Vous faites un pique-nique dans le qui se trouve de la sortie de la ville. C. Il était de 11h du matin et le président de la cérémonie n'était pas à présenter son discours. D. Mon frère est toujours à apporter son aide aux autres. Nous sommes partis en vacances dans un village près d'Agadir. Vous faites un pique-nique dans le pré qui se trouve près de la sortie de la ville. Il était près de 11h du matin et le président de la cérémonie n'était pas prêt à présenter son discours. Mon frère est toujours prêt à apporter son aide aux autres. De où se trouve le pré? Réponds par une phrase en utilisant les homonymes que tu as appris. Le pré se trouve près de l'école. Trois. Produis trois phrases avec pré, prêt et prêt. Je joue dans le pré. Je suis prêt à faire le pique-nique. Je suis près de la maison. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.